mettre un petit peu de tout. Agnon, c'est une vidéo cuisine aujourd'hui. Je vais montrer comment on prépare le curry. Je pense que ça va intéresser les gens, t'as raison. De quoi? Ça va intéresser les gens. Tu vas te faire 5000 abonnés. Oui, non, je m'en fous. Alors. Bonjour, arrête, pousse-toi, va te coucher toi. T'es jaloux? T'es jaloux parce que t'es pas assez dans mes vlogs, c'est ça? C'est dégueulasse. Bon, pourquoi tu fais pas ton vlog là? Arrête de te laisser perturber. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter. Arrête! Je vais vous présenter une petite recette à moi. Je pense que je vais vous montrer comment on fait le curry fait maison de chez nous. On va dire que c'est une spécialité qu'on a inventée. Que j'ai inventée. Qui est bonne, saine voilà. Arrête, t'es creepy, arrête. Est-ce que je recommence du coup? Non. Sans talent. Donc, dans un premier temps. Mais arrête de te laisser perturber. Dans un premier temps, il vous faudra les ingrédients suivants, à savoir une aubergine. Non, range ton zgeg. C'est pas cette aubergine là. Il nous faut 3 courgettes. Donc je vous montre voilà, d'à peu près cette taille là. Vous pouvez en mettre 4, 5. En vrai, on peut mettre autant de courgettes que ce que vous avez dans votre frigo. Peut-être ne pas excéder 7. Ouais, 7 c'est un peu beaucoup quand même. Parce qu'après ça ne rentre plus dans la casserole. Mais 3 plus une aubergine et un oignon. C'est genre raisonnable quoi. Bonne nuit Pouli. Bonne nuit. Bonne nuit Pédita. T'as bien. Bon. Quelle heure il est? L'heure qu'il était hier. Quelle heure il est? 14h05. Tu vas te coucher à 14h50 toi? Bah parce que j'ai travaillé toute la nuit. Ah oui? Tout le matin. Ah oui, faut que tu aies les tâches ménagères. Mhm. Tu comptes faire quoi là, ton montage? Tu comptes interrompre la recette? Non, je sais pas, je verrai. Peut-être que je te mettrai pas dedans, c'est tout. Ça veut dire que là, si je montre ma vie, tu seras obligé de pas me mettre dedans. Il vous faudra une casserole. Hop. Ensuite, votre aubergine. En fait, vous allez mettre de l'huile d'olive dans la casserole. Moi, ce que je fais, c'est que je rajoute toujours un fond d'eau pour éviter que le truc crame au fond. Mais je laisse le feu assez fort, genre à 8. Et comme ça, bah, une pierre de coup, ça crame pas au fond et ça chauffe fort. Guillaume, t'es pas en train de dormir là? T'es en train de scroller. Là, je suis sûre. D'accord. Donc voilà, on va laisser reposer, enfin mijoter un peu tout ça. À côté, je me suis fait du riz dans notre autocuiseuse. Je vous expliquerai peut-être une fois comment on fait le bon riz à l'autocuiseuse, en le nettoyant bien, etc., en le laissant poser. Donc voilà, je pense que d'ici 10 minutes, tout est cuit. En vrai, tout ça, ça prend entre 20 et 30 minutes. Donc je sais que tout le monde n'a pas le temps de se préparer à manger, etc. Et que je suis assez privilégiée. Mais dites-vous
que c'est vraiment super important de vous préparer vos repas vous-même, de pas acheter tout en supermarché. Et je pense que bien manger, c'est le début du bonheur. Mais et du coup, ouais, je me donne un petit peu de mal tous les jours à préparer plein de petits repas. Donc ça, c'est notre repas un peu phare, celui qu'on mange assez souvent. On s'est acheté voilà, du curry en gros pot comme ça, donc c'est de la pâte de curry, je sais pas si vous voyez. C'est super fort et du coup ça tient 1000 ans quoi. Donc voilà, c'était la recette du riz courgette au curry. C'est parce qu'il y a des filles qui se comportent comme des poufs, t'es obligé de faire pareil. C'est pas une pouf, c'est juste. Ouais, mais ce que je te dis, c'est que t'es pas en compétition. C'est un mindset d'être en compétition. Battant les couilles, franchement, battant les couilles. De toute façon. Qu'est-ce que tu fais, Pouli? Je me demande bien. Fais qui marche pas. Ah, y a. Bah, tape sur Google. Facebook donne, je sais que c'est dans l'actualité si jamais il y a un crash. Ah oui, moi il faut que je range mon sac. Tu sais qu'on va devoir censurer tes tétés? Parce que tu filmes, hein? Oui. Sérieux, mec? Ah oui, oh fuck. Donc on était au MMA. Ouais. Ça s'est bien passé. Oui! Manger! On a bien progressé depuis la semaine dernière. C'est bon, hein? Non, vraiment. Est-ce que je peux avoir une fourchette? Ou une cuillère? J'aime bien ma cuillère. Non, non, celle-là. C'était sur le pain, mais c'est bien bon. Alors, voilà à quoi ressemble à peu près le truc que j'ai préparé tout à l'heure. Tu sais que les êtres humains, ils ont un record de saut de mouton? Non. C'est bon, on a dit que les êtres humains, c'est un peu de la merde. Tu sais, il y a toujours un animal qui est plus rapide, c'est l'épargne. Un animal qui est plus gros, c'est l'éléphant, etc. etc. Mm-hmm. T'as une idée de ce que ça pourrait être le record de l'humain? C'est un record physique, hein, c'est pas genre le plus intelligent. J'ai pas compris. Il y a plein de records physiques. Ouais. C'est quoi ce fait être humain? C'est un truc assez général et on s'y attend pas forcément. C'est qu'il peut nager. Non, il y en a plusieurs. Regardez, ils savent nager. Nager, courir, voler. Oh, ouais. C'est que c'est l'animal le plus endurant. On est le plus. À la marche. Enfin, au déplacement, quoi. Genre, les humains, ils peuvent marcher pendant des dizaines de kilomètres. Ouais. Les animaux, ils peuvent pas. Sérieux? Ouais. C'est comme ça qu'on chassait avant. Mmh. À l'épuisement. Mmh. Alors, on doit. Mais mmh. C'est vraiment the best. Les êtres humains, c'est vraiment les plus. C'est trop rigolo. Mmh. J'avoue, quand tu le dis, c'est trop évident en fait. Bah ouais. Je sais pas pourquoi. Non, tu penses pas. Mmh. Agneau. Ouais. Du coup, ils n'écrivent pas. Ah, l'étude. Ils donnent juste l'étude et les résultats, mais ils disent pas trop quelle raison. Ben. Tu vas faire croto? Oh, ben je vais faire croto avec toi alors. T'es-tu en train de filmer? Oui. Je bénis. Bénis.